Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui les amis. Je suis ravi de vous retrouver pour le premier épisode de l'aventure de Zéro sur Wakfu, le MMO. Êtes-vous prêts pour des fails et une aventure, une découverte complète? Donc c'est un format best-of hein, qui est vraiment adapté à YouTube, mais si vous voulez voir les rediffusions complètes, elles sont sur Twitch, il n'y a pas de souci, vous avez juste le lien dans la description. Je serai d'ailleurs en live, je pense, très régulièrement, donc n'hésitez pas à passer, dont ce soir d'ailleurs. Et franchement, merci pour tous vos retours, pour ce monde qui a eu cet engouement, c'était vraiment génial. N'oubliez pas vraiment de liker sur YouTube, c'est hyper important. Pensez-y, ça vous prend une seconde, moi ça m'aide énormément si on atteint les 5-6 000 likes, ça peut être vraiment un gros boost. On peut peut-être atteindre les tendances, ce genre de truc, donc n'hésitez pas à le faire. Merci à tous et bon visionnage. Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur le live. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, normalement tout devrait être ok. Pour ceux qui ne le savent pas et ceux qui viennent d'arriver, nous allons lancer une aventure sur Wakfu. Donc évidemment, nouvelle aventure dit nouveau personnage, on sait pas exactement ce que je vais choisir, on va voir ensemble. Donc sur Datura, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Sachez également, donc comme je vous l'ai dit, qu'il y a toujours ce système de parrainage. Si vous voulez créer un compte et être mon filleul, vous avez le lien dans la description de toutes mes vidéos et du live. Si vous voulez, vous pouvez créer un petit personnage. Et comme ça, tous les mois, j'offrirai à 100 filleuls des objets en jeu sur Wakfu et Dofus, les deux. Je ne connais rien à Wakfu, le but c'est de le découvrir. Donc je vais le faire avec personne en particulier. Je vais le découvrir avec vous, le jeu. J'ai déjà vu que ça farmait pas mal hier soir, etc. Donc vous avez le Discord où vous pouvez aller discuter avec des gens, créer des groupes, trouver du monde. Je sais qu'il y a encore le brevet qui est demain, je sais qu'il y a encore des épreuves pour les euros, ceux qui ont prépa. La plupart des épreuves globalement sont finies, mais ceux qui ont des contrôles continus, ceux qui ont des rattrapages, il y a encore pas mal d'épreuves. Donc si vous voulez reprendre d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, il n'y a aucun souci, vous pouvez venir quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc allez, on est parti, on va choisir notre petit personnage et lancer cette aventure. C'est bon, on valide le Xelor. Il y a 65% des gens qui veulent le Xelor, donc on va partir là-dessus. En vrai c'est rigolo. Une minute, c'est rigolo. Je sais pas qui c'est qui a mis ça dans le chat, mais c'est rigolo. En vrai, ça marche bien. Yes, allez, on valide. Oh, ça marche. Incroyable. Attention les yeux. Oh putain. Bon, par contre, on peut pas dire le contraire, mais Wakfu, c'est quand même plus joli, plus dynamique. C'est ton de Wakfu pur. C'est moi, les gars. attendez. Eh oh, pop, on m'invite pas dans son groupe, on attend. Mais là-haut, il a... Attends, mais on peut m'inviter pour un cinématique, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il m'a dit approche. Ok, bon, est-ce que c'est des cases, déjà? Ok. Donc on peut zoomer. Ok. On peut. Ah, je découvre, les gars. Je vous ai dit, je découvre et tout. Ok, bon, là, il m'indique que je dois aller vers lui. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de map dans Wakfu, c'est un peu différent. Déplace-toi vers moi. Ah, je me TP, quoi, ou je vole? Fin de tour. Ok. On passe aux choses sérieuses. Attaque-moi avec tes points. C'est pas très sérieux, ça, monsieur. Ouais, je me téléporte, on dirait. Bon, ça, c'est globalement comme Dofus. Ça, je vais m'en sortir. Pointeur. Alors, pointage. Si le Xelor est sur un cadran, sur le cadran, et cible une case vide adjacente à une heure... Oula. Pourquoi j'ai pris Xelor, les gars? Oh putain, what the fuck? C'était quoi cette os? C'était une drogue. En fait, c'est le marquage au sol dans la zone rouge. Je peux pas le taper parce que c'est face à lui. Mais dès que je suis plus dans son champ de vision en ligne de vue... Eh bien, je peux partir. Ok, donc ça c'est cool. Ok, nickel. Ok. Meurs pas sur le tuto quand même, attention! Est-ce que là je peux y aller vers les plaines d'Incarnam? A mon avis, je quitte le tuto là. Oh! Succès premier pas! Incroyable! Oh putain, y'a du monde! Y'a du monde de ouf! Ok. Nous y voilà. Alors il m'a dit nous y voilà, ok. Oh, lui il est énorme. Alors. Bon anniversaire Humility. Mais c'est demain, enfin genre c'est à minuit. C'est genre, c'est le 28 juin. Attention à là. Si tu as besoin d'aide pour le bon déroulement, demande. Bah pas spécialement en vrai, moi j'ai envie de découvrir le truc. Ah je pense que c'est ça là, ça doit être dans le donjon. Ok. Donc on y va. Ok, alors entrée du donjon. Le chef de groupe doit lancer le donjon. Ah. Bon, je dois être avec JP. Je sais qu'à Astrub ça va laguer, mais là, si ça... Oui, ça va laguer d'où? Ça va. Pour l'instant, ça va. Ok, bah du coup, je vais essayer de... Ah, je peux pointer une case. Est-ce que ça... Ah, c'est R? Ah, ok. Moi, je voudrais utiliser... Comment je fais pour me déplacer à cette case? Ah, trop bien! Comme ça. Wouah, stylé! Bah voilà, vous voyez déjà, j'ai compris. Alors, on peut voir... On peut voir l'état que j'ai à côté de mon personnage. Est-ce que je suis tic ou est-ce que je suis tac, là? Mets-toi en mode tactique. Comment je me mets en mode tactique?
C'est pas bien là comme ça? On dirait déjà le mode tactique dans Dofus, hein. C'est vachement lisible. Ouais, je trouve ça lisible. Je n'entendais pas moins de toi. La menace est écartée et l'âme d'Olavran a cessé de souffrir. Mauvais bail, mauvais bail. Ouais, c'est que je vais aller à Strub là, non, c'est ça? Ouais. Attention. Ah. Ok, je me réveille à Strub avec une mamie à côté. Qui c'est ça? Mémé. Il crie mémé. Quelqu'un est tombé sur le lit. Elle rigole. Ok. Je peux jouer avec. Quand tu vas sortir de la maison. Je vais bégayer. Tu vas bégayer. Alors, Astrub, la cité des mercenaires, voici déjà avec une lettre, une dette sur le dos. Oh putain. Oh. What the fuck. Ok, à l'aide mon PC. Mitty, rip. What the fuck. Parce qu'en fait, voilà, c'était en... Oh, bienvenue, Mitty. Merci beaucoup. Putain, coucou. What the fuck, ce monde. Regardez ça. Regardez ce monde. Oh mon dieu. Je peux plus. Je peux plus bouger. Vas-y. On va dire hello. Hello, c'est pas slash. Hello. Ah, je l'ai mis. Je me suis vu. Je suis là. Dans le tas de ici. Oh. What the fuck. J'ai plus envie d'aller à Strub. Ça donne pas envie de quitter l'aventure pour aller là, hein. Oh mon dieu. Bon, où est-ce qu'on va, Paul? Est-ce que je peux bouger? J'essaye d'acheter mon pack sans que mon PC explose. Où est-ce que je dois aller, les gars? Ah, c'est... Franchement, ouais, on va screen, c'est rigolo. Juste devant, là où il y a le truc au sol, mais tu le vois pas du coup. Et après, tu cliques sur la porte, je pense. Mais y'a pas de porte. Mais tu la vois pas. Salle d'entraînement, entrée. C'est bon, je l'ai vu. Ok, nickel. Ah, bah ça lag moins tout de suite. Bah, c'est instancié donc. Ouais, ouais, bah heureusement. Wow, quoique je dis ça, mais ça aurait très bien pu ne pas l'être. Non, je vois pas. Genre là, il y a beaucoup de monde. Tu cliques sur le tas et en dessous, t'as en dessous du menu. T'as deux petites flèches gauche, droite. C'est bon, je viens voir, viens voir. Ok, super, nickel. Ah, c'est bon, je suis dessous. C'est instancié aussi? Oui. Ok, nickel. Y a beaucoup de trucs qui sont instanciés en fait. On est pas à deux là. Bah, je suis tout seul dans le combat. Ok, bon bah go alors. Eh, hey, il a un gros dragon lui. Moi aussi je joue un gros dragon. Si t'as besoin de Guilda Glow, je suis là, Umi. Bah avec plaisir, on fera ça tout à l'heure. J'en ai une aussi. Ok, accepter l'échange. Ok, nickel. Où est-ce que j'ai... C'est Drey. Eh, hey, coucou Drey. Ah, t'as le même pseudo. Sympa ta petite monture. Elle est vraiment sympa. Alors, où est-ce que je dois aller? Guildomatic. Ok. Kring. Ok, bon. Là, les amis, on va passer dans les choses intéressantes et importantes. Comment on s'appelle sur Wakfu? Parce qu'on a déjà eu Raclette, on a déjà eu... Entrecôte. Comment on va s'appeler cette fois? T'aimes bien Paul Ratatouille? Oui, c'est un très bon dessin animé. Ouais, mais c'est sympa comme nom. Oui, oui. Okay. Bah franchement, on va créer, on va essayer de voir. Y'a pas un logo avec un petit rat, là? Ouais, comme ça, c'est pas mal. Allez, let's go. Yes! On a créé la guilde, c'est incroyable, elle s'appelle Ratatouille et c'est un rat. Attendez, je me décale. Je veux voir le truc de la guilde. Est-ce que je le vois? Oui, on le voit. Invite-moi parce que je vais devenir fou. Il y a un critère, c'est écrire français. C'est tout. Lancer un chat privé, suivre. Auriez-vous l'amabilité de m'inviter dans votre grade? Dans votre grade? Dans votre guilde? Ouais, il s'est trompé, je pense. Vas-y, lui, je l'invite, c'est un bon. C'est un bon. Pas de percepteur, ok, il n'y a pas de perco. Ok, les percepteurs, c'est des améliorations de guilde, ok. Tout le monde est bras gauche, c'est bon. J'en suis bras gauche. Morgan Pendragon. C'est incroyable comme pseudo. Pourquoi lui il est écrit en rouge aussi? Les gens ils sont écrits en rouge, je comprends pas. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de. Alors oui, je le dis parce que voilà. Je connais pas le jeu, donc moi je m'en fiche qui vient dans la guilde. Il n'y a pas de système de recrutement. Si vous avez envie de venir, vous venez. Et si vous êtes pas sympa dans la guilde, on vous virera quoi. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de raison. On m'a vraiment dit que la communauté de Wakfu elle était sympathique. Qu'elle était différente de Dofus et qu'elle était plutôt sympathique. C'est à gauche que tu enlèves les sorts. Ah, c'est là. Ok. Oh, nice. Eh, je comprends les trucs. En discutant, ta liste c'est à gauche, ok. Ok, et je peux les changer de sens? Oh, nice. Alors, cadran c'est le plus important, je mets devant. Les sorts ensemble. Vous me conseillez plutôt pointeur ou plutôt vieillissement? Tout. On m'a dit mode tactique c'est CTRL et T.
Oulala, là là, qu'est-ce que c'est que ça? T'as essayé, Paul, le mode tactique? Ouais. What the fuck, on peut pas faire réduire les trucs, là? Les mettre en bas? Les plots, là? De hauteur? Je sais pas. Okay. J'essaye de comprendre hein, vraiment comment ça fonctionne, les gars, c'est pas si facile. Hein. Quand vous maîtrisez pas le jeu, franchement, c'est pas si facile. Hein. Ok, nickel. Pour l'instant, ça a l'air d'être sympa le petit cadran là. Le principe a l'air d'être cool. Ça y est, encore, hein, c'est un tortue ninja. What the fuck? Tu l'as vu, Paul, lui? Tu l'as déjà fait? Le tortue ninja chelou? Ouais, ouais. On peut pas voir s'ils sont AFK depuis combien de temps dans la guilde. Ah, nice. Putain. On va s'amuser. Je vais tenir un Google Dog, vous inquiétez pas. On a un super bras gauche. Récolter, c'est quoi récolter? Trappeur. Ah, c'est la semence. Ah oui, d'accord. C'est vrai que je dois faire pousser les mobs. Enfin, je dois les faire se reproduire. Ouais. En vrai, c'est super cool d'avoir les maps qui continuent, en fait. J'aime vraiment ça. C'est un des côtés que j'aime bien pour l'instant. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Les animations, je trouve ça super joli. Je vous fais les points. Les points négatifs, c'est les lags. Hein. Là, ça, c'est vraiment... ça te bousille l'expérience utilisateur. Mais ça va, quand on est dans les combats et tout, ça lag pas. C'est juste dès qu'il y a du monde. Regardez, là, ça freeze. Tiens, Pierre. Oui, dis-moi. Ma sœur vient de m'envoyer un mail, un truc. Ouais. Elle m'a envoyé le mail de la date à laquelle on a reçu notre accès pour la... Bêta. Pour la bêta test. De Wakfu. Et alors, c'était quand? Le 12 août 2009. 2008. Ah, 2008, ok. Oh, incroyable. Elle a retrouvé ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu le vois, Otomai, ou pas? Oui, je le vois. C'est mon finisher, ça. What the fuck? C'est les coups fatals. Ah ouais, c'est... Ah ouais, d'accord, ok. Alors, attends, tu m'as dit guild... Accepter, 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 c'est ça? Ok, bah vas-y, go. Ok, c'est tout, il y avait que ça? T'es nul, le boss. On essaye d'ouvrir la cage ou pas encore? Il y aura peut-être un truc... Ils ont dit qu'il y avait des trucs cachés, non? J'ai ah bah, on a eu le compagnon. Ouais. Voilà. Et voilà, on peut sortir. C'est... Regarde, genre là, en fait, oh, avec les havres gemmes, du coup, tu peux mettre des trucs comme ça. Oh, stylé! Et t'as des trucs où Attends, tu peux faire le des vois cultures. En temps réel, c'est incroyable ça. Là, on a eu des objets, tu vois. Ah. Et du coup, tu peux les placer comme ça. Ah, je peux pas passer. Genre... Ouais, faut que je te mette les permissions. Ouais. C'est quoi et ça les les deux vertes Artisanat. Ouais, artisanat, c'est pour crafter des trucs chez toi. Et ça, c'est bien quand je fais ça. Bah, t'as pas besoin d'aller dans un atelier. Mets-les ensemble les deux vertes. Hein. Ouais, 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 c'est ce que je fais. Les rouges, je les mets ensemble aussi. Ouais, ouais, bah ça te fait des plus grands trucs comme ça, ouais, c'est okay, cool. Ouais, ok, vas-y, go. Oh. Oh. Nice. Plus le level, il faut être forestier à un certain niveau. Ah, faut attendre. Ok, ok. Du coup, là, c'est bon, hein. Il faut attendre. Je laisse comme ça. Alors. Bon, il y a des plans qu'on n'a pas pris, Paul. Il y en a compris. J'ai quand même des cerisiers chez moi. On va au donjon Mouftou, ça vous va? Oui, c'est tout le temps haut à gauche. Quand je sors, les gens y sortent aussi? De moi, voici. Oui, je crois. Après, avec nous deux, on a moyen de tempo pas mal sur les invoques. Mais il reste que le... Ouais, nous... Il va te faire stat. What the fuck? Allez, salut. J'adorais jouer avec vous. Il va stunner. Ouais. Ouais, non, il va one shot, là. Eh bien, j'ai m'amusé. Tu peux le faire, Paul. Tu peux pas le faire, je pense, non? On croit en toi, la, le il a pouvoir plus de PM que Paul, du coup ça va être compliqué. Déjà 18 par le joueur français. Vous voulez de l'aide? Bah, on va forcément en avoir besoin. Hein. Enfin, je veux dire, on peut faire avec des guides, c'est juste qu'on est 3 quoi. Par contre, c'est tu pourras apparaître, oui. Je dois faire quoi? Oui. Putain, on doit tous retaper, c'est chiant. Il y a un steamer niveau 15 qui veut. Je dois refaire toute la route. Oh putain, c'est infâme. Les apps sont gratuits. Si t'as pris les apps d'Athéna. Non. Ah, ils sont gratuits. T'as pris les Draco Express là? Non, celui-là je le prends déjà. Ça c'est du drapeau? Ça permet quoi ça? Déplacement. D'aller où? C'est les diligences d'office. Permettre de voyager gratuitement vers une autre Draco Express connue. Je vais lui faire du 50. Vous allez monter ultra vite en level de guild du coup. Pourquoi? Parce qu'on est 200 à faire les quêtes. Je trouve ça va super vite. D'ailleurs, on n'a pas. Quand est-ce qu'on pourra passer le monsieur? Non! 30 minutes. Il est pas mort?
Il reste 6 PDV. Ça va, tranquille. Non. Ok. Non. C'est Paul, c'est le grand Polo qui va finir. Pense à passer deux. Au tribunal comme je t'ai dit. Ah oui, on le fait après. Putain, c'est bien. Il s'est transformé en fait. La BR. Et il s'en va au cœur. Okay. Oh, la panoplie BR. Terminé un donjon, succès, 20 points de guild. Allez. Ah, mais c'est bouffé royal là. J'ai eu 3 ouais. items de la panoplie BR, j'en ai eu 2. Nice. Moi, j'en ai pas coiffe, eu, bordel. C'est de la merde. Ok. Oui. Et tu verras que les saisons, c'est pas les mêmes que dans Dofus. On est en hiver là? Ouais. Pourquoi on est en hiver? On sait exactement la même chose que dans Dofus. Ah bon, on est en hiver dans Dofus? Non mais genre, je veux dire... c'est exactement la même chose, je veux dire, en termes... Genre, c'est les mêmes portes, c'est les mêmes trucs. Ah oui. Ouais. C'est le même décor, quoi. Mais c'est joli. Alors, dans ce mini-jeu, le but est de faire parler les suspects afin de trouver le véritable coupable. Pour ce faire, vous pouvez écouter les témoignages du suspect et ensuite lui parler, ainsi trouver des incohérences dans son discours. En gros, t'as mis les évidences au fait et pète les plombs. Ah oui. Accusé, que veut dire ceci? C'est vrai, c'est bien moi qui ai volé les camas. Ah. Il est temps de rejoindre le jugement. L'accusé, coupable. Ok. Reposez-vous bien et à demain pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.